need is 5 minutes, if you can see the signs. All I need is 5 minutes, if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin, and then the kisses. And then the kisses. All I need is 5 minutes. 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 Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on fait un nouveau tuto contemporary sur la musique de Her, 5 Minutes. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à nous envoyer les vidéos et marquer Neo Dance Academy et moi-même. Et surtout, n'oubliez pas de vous échauffer et de faire du gainage. Allez, c'est... Ok, alors, première partie. On va commencer en petite parallèle. Vous allez avoir 8 ans au début sur la musique où vous pourrez improviser, faire ce que vous voulez. Essayer de sentir vraiment la musique. Et ensuite, au moment, au 9e temps, ça fait tin. Donc, vous allez attraper vos mains, ouvrir la jambe droite, hop, la faire glisser dans le sol, vraiment appuyer pour... Et on transfère le poids au milieu, on est en seconde parallèle. Ensuite, on va ouvrir le genou droit vers l'extérieur, hop, et les paumes de main vont s'ouvrir vers le plafond. 1. Et je vais fermer, je vais revenir en petite parallèle, main droite sur le ventre, main gauche sur le sternum. Je vais glisser la main droite vers la hanche droite, et je vais ouvrir la main gauche devant. Ici, je fais une légère torsion vers la droite. Et je dis OK. Ensuite, j'ouvre les mains. Ça fait 5. Et sur le minus, on va pivoter vers la gauche légèrement avec la tête. D'accord? Et toute la partie du corps est isolée. Hop. Ici, il y a un accent. Je recommence. Petite parallèle. Attrape les mains. 7. Et sur le tin. Et là, c'est all. Ouvre genou, paume de main vers l'extérieur. I need, main droite sur le ventre, main gauche sur le sternum, is 5, je glisse la main droite vers la hanche droite, la main gauche va aller devant, on dit ok, et j'ouvre les doigts et hop, accent, je pivote vers la gauche. Quand je reviens, je vais, le coude gauche va m'emporter vers l'extérieur et je vais détourner hop, sur la jambe gauche. Back. Quand je reviens, ici la main droite va attraper le front et je vais faire un accent, je vais regarder le plafond sur si. Je reviens en bas, le bras droit va ouvrir, hop, et je vais ouvrir en grande quatrième la jambe droite. C'est sur le tin, comme si je faisais une guitare, d'accord? Ok, je suis en air guitare là. Donc j'ouvre, tin, j'ouvre grande quatrième, attention le genou il est limite dans le sol. Je vais main gauche attrapée ici, main droite au niveau de la cheville. Donc main gauche la cuisse, main droite cheville. Je refais. Petite parallèle, j'attrape les mains sur le tin. J'ouvre seconde, jambe droite. Je transfère le poids au milieu. Ouvre genou droit, les paumes de main vers l'extérieur. Attrape ventre, sternum, main gauche. Glisse la main vers la hanche. Ok, j'ouvre les mains et pivote vers la gauche. Boum. Je vais détourner vers la gauche, le coude va bouger. Je reviens petit parallèle, la main droite va aller sur le front, excusez-moi j'ai du mal. Et un accent, je vais regarder le plafond et la directe guitare, ouvre, second, quatrième, main droite, main gauche. Je me suis trompée, j'ai dit main gauche, main droite. Excusez-moi, c'est... Ah non, c'était ça, main gauche, main droite. Donc main gauche sur la cuisse, main droite ici. Dac. Ensuite, je suis là. Je vais attraper ma jambe avec la main droite, elle va me retourner, hop, et je vais retourner encore sur la jambe gauche, sauf que je vais faire intérieur, ok? Quand j'atterris en petite parallèle, main droite au plafond, je recule pour que vous voyez, donc c'est direct, je suis ici, j'ai fait gauche-droite, attrape la jambe, tourne là, main droite en haut, et je vais la descendre ici au niveau du sternum, donc la main droite est ici au niveau du sternum, je vais la basculer à l'horizontale, ça va faire une ondulation et ça va m'embarquer vers la gauche. Hop. Et quand ça m'embarque vers la gauche, c'est jambe droite d'abord devant et jambe gauche. Je reviens ici dans la diagonale, en petite parallèle. Les mains vont retourner, vont se croiser. Ici, je suis en dedans, les genoux en dedans, d'accord? Donc ça fait boum. Et là, va encore avoir un accent, ça fait le tin. Je vais développer les bras, ouvrir en petite parallèle.
Ici, et le dos va être bien droit, bien aligné. Ok? Je récapitule. Donc, j'ai poussé. Seconde, j'attrape bien, je pousse dans le sol. Seconde, bien parallèle. Transfert de poids au milieu. Ouvre genou, ouvre les paumes de main. Ventre, sternum. Tire devant, ok. Ouvre les doigts. Accent, je pivote vers la gauche. Le coude gauche va m'embarquer. Je tourne sur la jambe gauche. Main droite ferme dans le front. Je regarde le plafond. Encore tin, guitare. Ouvre quatrième jambe droite. Main gauche sur la cuisse, main droite sur la cheville. Je prends la cheville, je la ramène face. La main en l'air, je descends. Horizontale, ondule, ça m'embarque vers la gauche. Droite, gauche dans la parallèle. Je tourne, je suis en dedans. Et sur le tarin, j'ouvre. Petite parallèle. Ok. Normalement, c'est bon. Je vais vous la faire en chantant après. Vous allez voir, vous allez kiffer. Donc, je suis ici. Je suis ici, j'ai développé et je suis bien en petite parallèle, le dos bien droit. Je vais relâcher, ok, je relâche, j'expire et je vais faire un rebond vers l'arrière. Je vais chasser vers l'arrière, d'accord. Donc je suis ici, la chasse vers l'arrière. Je vais basculer dans la diagonale à gauche. Je vais attraper la jambe droite. Je vais l'ouvrir et la relâcher derrière, d'accord. Donc là, prenez le temps, vous l'ouvrez et vous relâchez. Quand vous relâchez, ici, il y a une légère, il y a un léger relâchement, une légère ondulation au niveau du bassin. Et ça monte jusqu'aux épaules. Ensuite, je pivote vers la droite et là, je vais appuyer dans le sol comme si je n'étais pas content. Le pied en flex. 1, je pose. Et 2, je pose. Ok? Vous allez faire ce mouvement en tournant. Donc, j'attrape la jambe, je la développe, repose ici. Dès que je pose la jambe droite, je le tape. Et je tape, je ne suis pas content. Donc quand je vais taper et taper, là regardez, je suis face, là je refais un tour et il dit voice. Donc voice, main gauche, je montre ma voix. C'est comme ça que je fais moi. Ok, j'essaie toujours en petite parallèle, fais bien attention au placement. Voice, et là je vais descendre, je suis en inch, hop, je descends sur les genoux. Ok, ici ma main, elle va, il dit one. Donc ma main gauche, elle va aller vers la droite. Je vais revenir là. Ensuite, elle va appuyer sur le cœur. Hop. Et donc, je vais me poser sur les fesses, mais les pieds vont basculer vers la gauche. Ok. Je reviens ici. Les pieds bien dans le sol. Jambe droite. Je lève le bassin fort. Ok. Et quand je lève le bassin, ça fait comme une ondulation du corps. Donc, lève fort le bassin. Hop. Donc, je vais pousser là-haut. Ondulation. Je pose et je cambre. Regardez. Je décortique bien les mouvements. Je cambre. Et je descends ici. Croisez bien les mains, vont croiser dans le sol. Si vous faites ça, vous donnez encore plus d'intérêt au mouvement. Ok? N'oubliez pas de finir les mouvements. Donc quand je suis dans le sol, je pose bien la tête. Donc j'ai poussé, hop, je pousse avec le bassin. Je cambre, les mains vont se croiser. Hop, et je pose. Bras à gauche va passer au-dessus de la tête pour se relever très rapidement. C'est pour ça que je vous ai dit de bien faire du gainage. Hop, je me relève très rapidement ici. Ok, donc le bras gauche, donc je suis bien allongée, la jambe droite est bien dans le sol, la tête aussi. Bras gauche va passer au-dessus. Attention, le bras gauche reste toujours dans le sol jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où c'est physiquement impossible de le laisser dans le sol. Ok, et pareil pour le bras droit. Donc là, je pivote vers la droite, hop, hop, et je me relève très vite. Ok, là. Avec la main droite, il dit « kisses ». Donc avec la main droite, je vais faire un bisou sur ma joue droite. Et je vais « boum, boum, boum ». Il y a trois accents. Comme si j'étais en boîte avec mon casque, comme vous voulez. Mais il y a trois accents, on y va, on se la donne. Tac. Je refais à partir d'ici. Donc je suis en petite parallèle. Hop, ça fait « je relâche la pression, je chasse. Donc quand j'ai chassé, hop, j'ai ouvert jambe gauche. Attrape la jambe droite, développe là, relâche. Et là, je tape, je ne suis pas contente. Gauche, droite, et je retourne une fois, voice. Ici, attention, il y a un accent, hein, on le contrôle bien là. L'arrêt, ce n'est pas un accent, c'est un contrôle. Hop, j'isole tout, descends, inch, genou. 1, 2, donc le doigt gauche vers la droite, ensuite là, hop. Ici, vraiment, il y a un accent, par contre, hop, je bascule les jambes. Vers la gauche, la main sur le sternum.
Reviens. Jambe droite en l'air. Ondule. Hop. Croise les mains. Et là, je me relève. Main gauche passe au-dessus de la tête. Main droite et je tape. 1, 2. Et le troisième, c'est la tête qui va m'embarquer là-bas. Jambe droite devant. Tac, tac. Donc, je reviens ici. Et là, il y a un accent. OK? Il y est. Boum. Ça fait boum, boum, ta et boum. OK? C'est pareil, vous le faites comme vous voulez, kiffez, c'est votre moment. OK? J'ai fait ça, boum. Et là, tac, je reviens gauche. Et droite, j'ouvre la poitrine. Ouh, j'ai pas réussi à contrôler. Contrôlez bien. Donc la jambe, elle est positionnée ici. Les mains sont secondes. D'ac. Donc j'ai fait accent. Gauche, je vais aller chercher et j'ouvre. Et boum, et je reviens. D'ac. Donc quand j'ai ouvert, je refais un tour. Je pose droite, je refais un tour. Et là, c'est pareil, vous mettez dans la position que vous voulez. Hop, il y a encore deux accents. Boum, boum. Et le troisième, tain. Je vais dégouliner vers le sol. Main droite, main gauche. Et je fais droite-gauche. D'ac. Et ensuite, j'improvise. Et après, il restera encore un petit bout et ce sera fini. Donc, je récapitule depuis le tout début, comme ça on met en lien ces deux parties. Alors, j'attrape, donc n'oubliez pas les 8 temps. Toum, tac, tac, toum, ta-la, toum, tac, tac, toum, et ta-la. Je suis petite parallèle, ouvre les genoux, ouvre les paumes de main, reviens, droite, gauche, glisse la main vers la hanche, ok, la main gauche, et hop, accent, je pivote vers la gauche. Le coude gauche m'emporte, je reviens en petite parallèle, j'attrape la main droite sur le front. Hop, et là, ta-la, guitare. Donc, jambe droite, quatrième, main gauche, main droite. J'attrape la jambe. Je reviens, petite parallèle, j'ouvre le bras. Là-haut, redescends au niveau du sternum. La main droite à l'horizontale et ondule. Ça m'embarque vers la droite. Je tourne, je suis en dedans. Et ta-la, j'ouvre. Je relâche. Ouh, attendez. Je suis ici, chac. Le dos est bien droit sur le ta-la. Je relâche. Ouvre jambe gauche, attrape jambe droite, développe derrière. Et là, je tape. 1, 2, et je me retourne voice. Descends, inch, les deux genoux en même temps. 1, 2, la main sur le sternum, je bascule les jambes vers la gauche. Et là, c'est direct, jambe droite, lève le bassin. Et on ondule, croise les mains, excusez-moi, que je descends. Et je monte direct, le bras gauche au-dessus de la tête. Et je me relève, main droite direct, et 1, 2, la tête m'embarque vers la gauche, accent, gauche, ouvre, et tourne encore, et là il y a encore deux accents, 2, et on ondule, main droite, main gauche, là c'est très bestial, ok, ch'touk, 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 on improvise, c'est cadeau, c'est pour vous, et on fait la partie finale. En vrai je dis la partie finale, mais c'est vraiment genre 4 pas, donc tranquille, ok. Alors, donc on a dit, ensuite on improvise jusqu'au moment où ça repart sur les « All I need is 5 minutes ». Donc à ce moment-là, je fais une belle préparation, quatrième, et je tourne, ok? Je tourne une fois, la deuxième, je reviens au milieu, je change de jambe et du coup je tourne en dedans, et je lève les mains là-haut, couronne, ok? Donc ça fait 1, repose, 2, je reviens ici, j'ouvre seconde, parallèle. Ma main droite va attraper le front. Hop, il va pousser. Regardez, le bras gauche va ouvrir ici. Je reviens là. Et ding, 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 ding. C'est très rapide. Je pivote. Donc là, je suis en quatrième du coup, automatiquement. Je pivote quatrième vers la droite. Et là, accent. Foum, foum. OK? Donc, je pivote vers la gauche. Hop, et je reviens. Je referme gauche. Et je fais 1. Super sexy. 2. Et j'ouvre. Et là, tapote, 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 ondule. Et tu danses, tu improvises jusqu'aux 5 minutes. Voilà, et c'est fini. Je refais, évidemment. Donc, vous improvisez. Ça fait ta-na-na-na-ni, na-na-na-na-na-na-na-na. Essayez de faire des impros, mais genre vraiment sur les paroles. Essayez de rendre vivante la musique, like, les instruments. Ok, donc décortiquez bien, soyez bizarre, on s'en fout. Là, vous faites une belle préparation quatrième, vous tournez. 1, quand j'arrive face, je change de jambe et je lève les mains couronne. 2, j'arrive ici, je reviens et j'ouvre seconde parallèle. La main droite va attraper, donc là je reviens bien quatrième,
Hop, ici, le bras va repasser devant. Donc vous avez vu, je tire la tête. Je veux bien ce mouvement de tirage de tête revient. Ding, ding, ding avec les mains. Donc je bouge les doigts, rapide sur le shtak, hop, accent. Je reviens, je ferme jambe gauche, marche gauche, droite, ouvre, gauche, et tan, 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 ta. Je dégouline et ensuite je danse, j'improvise. All I need is 5 minutes. Donc là, je monte avec la main droite, le minutes. Ok? Je récapitule tout depuis le début avec les paroles, comme ça vous comprenez bien tous les accents et toutes les intentions de mouvement. Voilà. Ça fait 5, 6, 7 et appui. All I need is 5 minutes. I can see the sky. Ta-da. All I need is 5 minutes. Hop. Can the wing you win in. Ta-da. One. Donc là vraiment c'est sur le one. One for the tuk-tuk. Ha. One for the voices. Ta-da. One for the touch. One for the... Je sais pas. Ting-ting-ting-ting et kisses, tic, tan, accent, hop, hop, kisses, boum, boum, dégouline, tan, et là, hop, on danse, ça fait du-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 du. Ambiancez-vous. Quatrième, all I need is 5 minutes, ding-ding-ding, shtak. All I need. Excusez-moi. En fait, ça fait. Shtak, referme gauche. Ta-n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 a. All I need is 5 minutes. Et ensuite, on y va, on continue. Ta-n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 a. All I need is 5 minutes. Et c'est fini. All I need is 5 minutes, if you can see the signs. All I need is 5 minutes, if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin. And then the kisses. And then the kisses. Nous envoyer vos vidéos, de nous marquer Neodance Academy et moi-même. Et je vous fais de gros bisous. À la prochaine!